Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part aujourd'hui avec Isa qui malheureusement affrontait une série de défaites et qui avait l'air démoralisée. On s'est dit qu'on allait inverser la tendance à deux. Parce que je vous avoue que moi aussi en ce moment, c'est pas la fête à la maison. Je pars sur H et je vais souvent partir sur H parce que j'essaye de me... Je sais pas comment dire ça, on va dire spécialiser. C'est le... terme le plus adéquat que je puisse trouver. Donc une botlane somme toute assez classique, hein, H Morgana, ça s'est vu par le passé. Moi j'aime beaucoup Morgana en support. Isa avait l'air de dire qu'en ce moment c'était pas hyper fort, mais j'ai confiance en ce putain de Black Shield qui une fois mis sur un tank fait des merveilles, et en cette cage toujours aussi monumentale. J'ai toujours des doutes sur l'ulti de Morgana que je trouve pas très fort, pas évident à placer, j'aime pas, surtout qu'en plus il est censé se synergiser avec le Black Shield, c'est-à-dire qu'elle se met le Black Shield, elle fait l'ulti et on peut pas l'interrompre, et ça oblige un petit peu les gens à partir, mais ça veut dire que le Black Shield il est pas sur quelqu'un d'autre parce qu'il est sur Morgana, et j'ai toujours trouvé que le Black Shield était vachement plus efficace quand il était mis sur quelqu'un d'autre que Morgana. J'aime toujours pas l'ulti de Morgana. Vous voyez qu'en mid, notre Z affronte un Blitz. Alors, j'avais pas vu de Blitz mid. J'ai jamais tombé dessus. Honnêtement, pour moi, ça fait pas le café. Bon, il se trouve que le Z, c'est pas le roi de l'esquive du grab. Et donc, du coup, ça va être assez payant pour le Blitz. Mais bon. Nous, en face, on a un Rakan qui est un des deux supports que je déteste. J'ai banni l'autre, hein. L'autre, c'est Thresh. Thresh et Rakan, c'est vraiment ma hantise. Heureusement, celui-là est moins fort que moi. Voilà, c'est... En matière de support, aussi bien chez les Thresh que chez les Rakan, il y a toujours deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont plus balèzes que moi et qui arrivent à pré-shot mes mouvements, tout simplement, et je me fais tout le temps grab ou je me fais tout le temps choper. Et il y a ceux où c'est juste l'inverse, c'est moi qui sais ce qu'ils vont faire et du coup, leur tentative marche pas. Bon ben celui-là, c'en est un que ses tentatives, elles marchent pas. Et du coup, c'est assez triste pour lui. Je dois toujours m'entraîner à la stit. Surtout que j'ai passé une bonne période, un bon temps de jeu en tant que support, c'est-à-dire que j'ai perdu l'habitude de la stit. Et comme je retourne un petit peu en ADC, bah, il va falloir que je m'y remette, hein, il va falloir que je retrouve mes marques. Pendant ce temps en top, Irelia Poppy, et ben j'ai bien l'impression que Poppy est un sacré counter de la nouvelle Irelia. Enfin pas pour l'instant, hein, parce que Poppy elle est gentiment niveau 1. Mais cette Poppy là non seulement joue bien, c'est-à-dire qu'elle a parfaitement conscience de ses compétences et de comment ça peut faire chier Irelia, et en plus le personnage se prête à l'affrontement contre Irelia. Principalement, moi je dirais, à cause de la compétence de Poppy qui fait qu'on ne peut pas charger. Et il se trouve que Irelia, quand même, son job c'est de charger sur les gens qui n'ont pas beaucoup de vie ou qui ont une marque. Et alors là, Poppy elle est un petit peu dans la merde parce qu'elle a toujours pas ce sort là. D'ailleurs, peut-être qu'elle aurait dû commencer par l'anti-charge qui fait un speed parce que du coup ça aurait mis Irelia un petit peu dans le caca. Et du coup, Irelia prend le First Blood et survit au gank d'Ekarim qui arrivait par la rivière à toute berzingue. Qui s'est fait stun assez connement. Et elle me vole le First Blood parce que nous, en bot, on était quand même bien partis aussi. Le Rakan va voler au secours de la Queen. Je flash out son contrôle. Il essaye de s'enfuir. Il a l'Ignite sur le dos et il se prend la cage de Morgana, ce qui me permet de l'éliminer. Reste donc la Queen qui est sous popo, qui est pas non plus dans un état formidable et qui est à portée de mes volets de flèches. Vous aurez remarqué que je joue H Aerith. Je trouve que la volée de flèches, donc le Z, couplé avec Aerith, ça permet de lancer des volets de flèches en boucle qui font terriblement mal parce qu'il y a l'Aerith en plus.
et qui sont assez difficiles à esquiver, puisque ça couvre quand même une super zone devant H. Et avec un cooldown qui descend à 4 secondes, grosso modo, ça permet quand même de mettre une pression de fou sur l'équipe adverse et de blesser plein de gars en même temps. Déjà que H, elle est très lente à l'allumage, puisque avant de pouvoir déclencher son Q-spell, il faut qu'elle ait réussi à mettre 4 auto-attaques sur quelque chose. Ça prend du temps, 4 auto-attaques, surtout au début, quand on n'a pas de vitesse d'attaque. Alors, en général, bah, tu te retrouves à taper à l'auto un pauvre gars qui lui te balance des combos de taré, et toi t'attends que ton Q-spell se déclenche. Et souvent, quand il se déclenche, c'est le moment où le mec en fait se barre au final. Et si t'es pas suffisamment proche pour pouvoir lui placer la première salve de ton Q-spell, eh ben le gars il s'est barré et toi t'es là avec tes flèches de givre et il te reste que des minions à taper. Je suis vraiment... Alors c'est pas que je suis pas fan, c'est que je le manie pas bien. Alors que le harcèlement à l'aérie, c'est facile en fait. C'est très facile, c'est une très longue distance et plusieurs personnes en même temps. Sachant que le Z en plus ralentit énormément puisque c'est un critique automatique et que les critiques chez H, ça double la vitesse de ralentissement. C'est-à-dire que ça permet vraiment de mettre une pression sur beaucoup de gens d'un coup, voire de sauver la mise de quelqu'un qui est poursuivi et du coup on le ralentit, ce qui m'arrivera deux ou trois fois pendant la partie. On revient en bot lane. Moi je suis low en mana parce que oui, la volée ça coûte cher. Mais c'est pas grave, j'assume. J'ai une distance de farm qui est assez agréable. Et je sais que le Rakan n'arrive pas à me pré-shot. C'est moi qui sais quand le Rakan va faire son saut en avant pour faire sa zone de bump. Et je suis à peu près tout le temps à quelques centimètres de là où il croit que j'allais. On va dire que la partie sent bon. Encore une fois, il me rate et il arrive à E sur Queen. Et c'est ce qu'il a un peu niqué au début, c'est quand il m'a sauté dessus, il était niveau 2. Et il n'avait pas encore son shield qui lui permet de sauter sur un allié. Et il est resté immobile 2-3 secondes. Je pense que dans son esprit, il l'avait et il devait être en train d'appuyer sur la touche E en visant Queen, quoi. Et malheureusement, il n'avait pas la compte. Et du coup, il est resté devant moi pendant 2-3 secondes à se faire taper. Et il a dû repartir à pied à quelques points de vie. Là encore une fois, il a raté sa zone de contrôle et sur Morgana et sur moi. Isa va arriver à ce Black Shield assez souvent parce que entre la zone de contrôle du Rakan et le Fear de notre ami, enfin de notre ennemi et Karim, il y a beaucoup de CC en face. Beaucoup de CC de zone en plus. C'est ça le grand problème de la cage de Morgana, c'est que c'est une personne. Une fois que tu as locké quelqu'un, bah, il te reste plus que ta petite zone au sol qui a jamais effrayé grand monde, hein, il faut le dire. La Queen l'astit mieux que moi, c'est un fait. Par contre, comme je prends des kills, franchement, ça compense. Au final, je vais me retrouver dans une bien meilleure situation qu'elle. Surtout que je comprends pas vraiment l'idée que la Queen a dans la tête, parce que les premiers items qu'elle va construire, c'est les items létalité. Alors qu'elle affronte H et Morgana. C'est pas l'armure son principal problème. Donc c'est un choix assez curieux, puisqu'au final, moi, j'ai déjà une BF, et je vais faire bien plus mal avec ma BF que elle avec son couteau dentelé. Alors qu'elle a 10 minions, 11 minions de plus que moi. Et qu'à la fin de la partie, elle aura un bon paquet de minions de plus que moi. Sa part en chase, je ne suis pas. Je suis pas parce que je suis beaucoup trop loin, j'ai pas de bot et pas de mobilité. Et plutôt que de perdre mon temps à essayer de tirer une volée pour avoir une pauvre assist qui va me rapporter 50 gold, je préfère faire avancer les minions sous la tour. Ils sont quand même à 3 contre 2, ça se passe plutôt bien. Je les surveille du coin de l'œil en fait. Et tant pis pour les assists. Ah, si j'essayais une petite flèche à la fin, des fois que j'arrive à abattre le blitz de manière magistrale, mais bon. Et du coup, vous voyez que plutôt que de poursuivre l'action que je pensais gagner d'avance, je me suis attelé à amener la vague sous la tour. Elle est donc gentiment en train de disparaître. Et plutôt que de taper les minions, je tape la tour. Suite à ma vidéo sur les tours, eh ben oui, maintenant je tape les tours en early autant que possible. Pendant ce temps en top, le retour Irelia contre Poppy. Malheureusement, Irelia place son ulti dans le mauvais sens et elle n'arrive pas à dash sur la Poppy qui a enfin sa compétence.
qui place aussi son Q-spell qui ralentit et qui fait des dégâts. Les deux combattants sont sous potion, Irelia décide de lâcher l'affaire et Poppy se dit que, avec sa régène et sa résistance, elle peut sûrement y retourner. Et elle y retourne, elle évite le stun, elle charge sur Irelia et malheureusement elle n'a pas récupéré sa compétence anti-charge. Et du coup Irelia arrive à la battre, mais c'est de courte durée puisqu'Ekarim était pas loin et se sert gentiment. Et là, la grossière erreur de l'Ekarim que vous voyez sur la minimap, c'est qu'il reste. Il reste à très très peu de points de vie. Et en plus, il tanque la vague de sbires qui arrive. Et vous voyez sur la minimap que Zed est en train de monter. Et le Zed, il a devant lui un Ekarim où il doit lui rester 200-250 points de vie. Et moralité, bah, il se fait pas chier. Autant dire que c'était du pain béni. Alors que le Ekarim se serait barré ou n'aurait pas tanké les minions, parce qu'il les a vraiment tankés, je suis pas sûr que ça ait été aussi simple. Et encore une fois, si le Ekarim avait back sous la T2 au lieu de back sous la T1, il se serait pas fait gauler non plus. Ou ne serait-ce au moins de l'autre côté de la tour, quoi. Pas à portée de quelqu'un qui arriverait de la jungle. Rakan a clairement plus de présence en lane que Morgana, dû à sa mobilité, c'est une menace, quoi. Le gars, il te saute dessus, il t'immobilise pendant que la DC te défonce la gueule. Surtout Queen, qui aveugle. Une fois que t'es aveuglé, t'es juste en train de courir en rond. Quoique Ashe a quand même une bonne réponse. Ashe, qui est aveuglé par Queen, eh ben, il suffit de balancer la volée de flèche droite devant. Et on est à peu près sûr que Queen se la prend dans la gueule. Pour une fois, c'est mieux d'avoir un skill shot que d'avoir une attaque qui vise quelqu'un, puisqu'on ne peut plus viser. Pendant ce temps en mid, une tentative du Z qui arrive à éviter le grab de Blitz en faisant son ulti. Malheureusement, encore une fois, Blitz se retrouve avec son passif sous sa tour, donc il a un shield. Heureusement, il y a du double ignite, du coup, il se tue l'un l'autre. Nous revoilà en position de siège. Hop, je flash la zone de contrôle. Heureusement, j'ai le Black Shield qui me permet d'éviter les Karim. Isa a lâché son ulti. Tout le monde agresse Morgana et je m'interpose pour arrêter un éventuel tir de Queen qui l'aurait tué. Je n'ai que mon corps à offrir. Plus une petite volée de flèches, bien évidemment. Ça fait toujours réfléchir tout le monde. On n'est pas hyper bien. Moi en mana, Isa en point de vie. On sait que le Ekarim est pas dans le coin et on veut à tout prix garder la pression sur la tour. Pendant ce temps en top, Poppy se fait encore stun. Elle va se cacher sous la tour, Irelia poursuit. Un ulti de Poppy sur Udyr au bon moment qui lui permet de se sauver la Quen. Et Poppy entame un back à 210-220 points de vie. Et Irelia se dit que quand même il y a un truc à faire. Et elle va se faire avoir en beauté. Il y a le stun qui passe sur Poppy. Elle est donc marquée. Irelia lui saute dessus. Et en fait, Poppy flash et déclenche sa compétence anti-saut qui laisse Irelia comme une conne au pied de la tour. Et ça se joue à pas grand-chose. C'est pas intégralement du calcul. Je pense qu'il y a un peu de chance. Mais ce que la Poppy voulait faire a marché au final. Nous, toujours en pression, vous pouvez voir aussi que on se prend un Ekarim qui fonce sur Morgana, qui s'était pourtant Black Shield bien avant. Nous voilà du coup en train de poursuivre ce brave Ekarim, mais il a trop de vitesse par rapport à nous. Et trop de points de vie, puisque jamais en un seul tir, je lui ferai 200 points de dégâts. J'essaye toujours de rester entre les gens et Morgana pour absorber un tir fatal qu'elle pourrait se prendre. Et le Ekarim se replie à quelques points de vie, mais de toute façon, il n'y a personne pour le choper. Le Udyr, il est en train de faire ses golems. Oui, il a fait son raid, je sais pas trop.
Moi, je défends la tour autant que possible. Voilà, là, Udyr va faire les golems. Queen va initier un mouvement tout pourri qui pourrait lui coûter très cher, sauf qu'Udyr ne mate pas la minimap. Hop, elle est passée sous la tour. Elle s'est pris des dégâts. Et Udyr fait ses golems. Ils font la pink, Udyr fait ses golems. Il se réveille enfin quand il voit Morgana passer. Sauf que c'est trop tard. Et on est obligé de renouveler la pink, de détruire la leur. Isa passe à l'attaque sur Rakan et Queen, poursuivi par Udyr. Je tente de ralentir qui je peux. Heureusement, Rakan s'est arrêté pour sauver Queen, ce qui a permis à ma volée de le toucher. Et ils éclateront Queen sans que je puisse avoir l'assist, parce que je me suis arrêté pour taper sur Rakan. Et on se dit qu'on est 3, qu'on vient d'éliminer la botlane, qui a un dragon qui nous regarde droit dans les yeux. Un dragon pour nous. Retour en botlane. Isa a 6 assists. Moi j'ai 1 kill et 1 assist. On essaye à nouveau d'avancer sous la tour, sauf que Queen revient en ulti avec Rakan. J'ai jamais trouvé l'espèce de volée de flèche que fait l'ulti de Queen, très intéressant. Je trouve que ça a une trop courte portée, que ça fait trop peu de dégâts, ça clean même pas une wave ou quoi que ce soit. Les voilà à défendre leur tour à très peu de points de vie. Blitz se fait repérer par notre ward, du coup nous... On se rabat gentiment, puisque de toute façon, il n'y a personne pour nous assister. On sent que le Blitz était motivé pour quelque chose, mais vous voyez que du coup, en fait, il passe même pas par le tribush pour checker s'il y a une pink. Il s'en retourne à sa lane, il a fait une décale complètement gratuite. Et au moins, pendant ce temps-là, il n'a pas fait grand-chose. Nos adversaires poussent autant que possible. Bah, vu l'état dans lequel on a laissé leur tour, vous comprenez bien que ils veulent se venger. Pendant ce temps, en mid, Zed et Blitz, duel éternel et pas du tout fraternel. Blitz a raté son grab, ce qui donne une légère opportunité au Zed, qui tente de dépush autant que possible, parce que la tour devient un objectif un peu réalisable. Le problème de Z, c'est qu'il doit taper au cac et que du coup il doit s'approcher de la tour. Il décide d'ulti carrément le Blitz qui arrive à le bump. Le passif du Blitz lui fournit son bouclier. Au revoir Z. Voilà la botlane sous notre tour. Ils font du ménage de minions au lieu de taper la tour. Je les ai immobilisés autant que possible et Karim arrive. Il arrive à choper Morgana. Elle se black shield, il lui court après. Moi je passe sur Rakan. Rakan y reste parce qu'il s'est fait cage en plein milieu de la zone. Tant pis si la Queen me touche une fois ou deux, moi il faut que je récupère des minions. Et notre tour est dans un très bon état parce qu'ils ont tapé les minions. Je sais bien que c'est pas ce qui se fait pro en LCS. En LCS, t'amènes les minions sous la tour et tu tapes les minions. Tu laisses les minions eux taper la tour. Bah, à notre niveau, moi je suis désolé, mais... Quand tu vois la tronche de leur tour à eux et la tronche de notre tour à nous, je préfère largement m'acharner sur la tour en early et taper les minions ensuite, quand la tour est devenue un petit peu costaud, que l'inverse. Voilà notre Queen obligée de retourner un petit peu sous sa tour, mais bon, Rakan arrive, mais vous voyez que la volée de flèches plus l'aérie la met vraiment dans un sale état. A chaque fois qu'elle arrive à aveugler Morgana, je m'interpose avec une volée de flèches entre elle et Morgana pour pas qu'elle puisse continuer son action. Encore une volée de flèches, ça a touché tout le monde. Je crois que c'est Queen qui s'est pris l'aérie. Du coup, elle est obligée de repotion. Si j'avais su que c'est nous qui aurions la pression à ce point-là, je ne serais pas parti avec le bouclier de Doran, mais avec la lame. Un petit piège pour notre Ekarim qui arrive quand même à récupérer le red buff. Il a un raid en blue, il essaye de s'enfuir. Un flash du dire pour le stun sous la tour. Quelques petits combats très vite faits et notre Z récupère le blue et le raid.
Et là, bizarrement, le Udyr se dit qu'il est temps de faire les Krugs, poursuivi par un Blitz et une Poppy, ce qui n'est pas une idée géniale. Blitz tente le tout pour le tout, il arrive à choper le Z qui flash pour se barrer. Assommé par Udyr, Irelia vient se joindre à la petite fête. Poppy charge pour essayer de sauver tout le monde. Malheureusement, Blitz ne reste pas pour l'aider. Poppy se fait donc dégommer. Et le Blitz va se cacher sous la tour où il grabe un lion. Il a du mal viser, tout simplement. Le Z s'enfuit parce qu'il a peu de points de vie. Irelia se dit que la tour est tentable, sauf que Blitz charge dessus, plus Rakan qui vient mettre son shield. Elle arrive à se payer le Blitz et à s'enfuir avant que le Rakan l'immobilise. Et ma flèche à moi, au lieu de taper le Rakan et de le tuer, elle va taper Ekarim qui revenait. Nous, on est passé à l'assaut, moi je reste sur la Queen. Morgana arrive à tanker relativement bien les coups que lui porte le Rakan. Et voilà Rakan sous sa tour en protection, sauf que la tour elle doit avoir 200 points de vie. Et elle tombe en 2 secondes, first tower pour nous. Maintenant que la tour est tombée, il y a toujours un choix à faire. Soit on reste sur la lane pour pousser en T2, soit on change de lane pour mettre la pression ailleurs. Et vous voyez à notre façon de nous déplacer qu'on se dit que quand même la mid ça pourrait le faire. Quoi. Pendant ce temps en top, Irelia Poppy, on connaît maintenant leurs capacités respectives. Irelia rate son stun, se fait charger par Poppy et Blitz, et elle saute en l'air, elle se fait grab, elle se fait assommer, enfin... Tente un ulti qu'elle aurait pu garder parce que ça aurait pas changé grand chose à l'histoire. On revient au moment où je rate le Rakan parce que Karim s'est interposé. Queen vient mettre de la pression. Nous, on arrive en mid. Z est tombé sous Queen plus Ekarim. Udyr vient, mais en fait on n'a pas confiance en Udyr pour tout vous dire. On a plus confiance dans le Z que dans l'Udyr. Et dans Irelia, parce qu'Irelia fait une super bonne partie. Là. On passe à l'assaut. J'essaye de poursuivre le Ekarim, mais il a trop de points de vie et je veux pas me retrouver sous la tour avec une Poppy et une Queen. Surtout quand mon équipe à moi est en train de baquer. Hein. Je sais que la tour, elle est à 3 auto-attaques. On la fait tomber et on se replie. Là, Isa me dit, te fais surtout pas grave parce que tu te fais one shot. Et effectivement, c'est pas impossible. Et comme on sait parfaitement où il est, qu'il vient de se faire cager et qu'en plus il se prend des volets de flèches, c'est la première fois que je mets un blitz aussi mal avec mes dégâts d'attaque parce que le mec il perd juste pas tanky. Ou en tout cas pas suffisamment, hein. Il a commencé fléau de liche. Alors c'est cool, ça fait du mal, fléau de liche, mais ça fait qu'avec ma volée, je le tiens en respect, alors que si c'est un bon gros tank, je serai un peu comme un con. Et tout le monde poursuit le Blitz, le Z est assez intelligent pour revenir sur son ombre avant de se faire abattre. Pendant ce temps en top, duel éternel Irelia Poppy, toujours sous les mêmes conditions, Irelia peut être tellement empêchée de dash à certains moments. Heureusement Poppy marche dans la marque, elle charge quand même, ce qui sauve Irelia parce que ça la repousse hors de la tour. L'ulti est dans la bonne direction. Et Poppy malheureusement a déjà utilisé ses compétences qui auraient pu la sauver. Et du coup elle se fait dash et tuer. On revient en mid et Karim vient défendre la tour avec Queen. Je suis un peu seul et j'aime pas ça. Du coup je vais me cacher ici. Je vois le Z en haut et Morgana sur le côté. Et je me dis que s'il y avait une charge en avant, ça me permettrait éventuellement d'embrayer sur la charge de l'Ekarim. Malheureusement, il n'y a pas de charge, et le Z meurt d'envie d'en découdre. On sent bien que la Queen, il la veut. Moi, je vais juste empêcher son back autant que possible, ce qui est d'une facilité déconcertante, et qui en plus lui fait mal. Ekarim se dit qu'il est temps de charger, j'ai le Black Shield sur moi. Je passe sur Ekarim, comme Queen attaque, je passe sur Queen parce qu'elle est bien plus dangereuse que lui. Ça ne me permet pas de sauver le Z, mais ça me permet de la descendre, et du coup, l'Ekarim ne suffit pas. Et il est temps de se barrer parce que le Blitz par contre peut me faire très très mal. Et je suis à quelques pixels de me faire grab, en toute honnêteté. Le Rakan lâche l'affaire, je lance quand même une volée au cas où il sera en train de me poursuivre.
on s'occupe du carapateur, ça va me permettre de regagner un petit peu de vie et un petit peu de mana. Et de monter, aider Irelia contre Poppy, mais en fait, Morgana est bien plus rapide que moi, puisqu'elle n'a pas eu à s'occuper du carapateur. Et je pense que c'est la plaque ou l'auto-attaque qui fait qu'elle prend le kill à Irelia, qui aime pas trop qu'on lui prenne ses kills. Mais bon, c'est pas grave, on se fait la tour quand même. Et c'est à peu près là que notre vidéo s'arrête.